C'est la première.
Lille, Métropole, Waterpolo. Elle reçoit Métropole et on veut que ça explose. Toutes mes félicitations. Avancez, votre public du Nord. Avancez. Avancez quand vous pouvez là-bas. We are happy. We did a very good game, and we won the first title for Lille. So I hope we continue like that and win more titles. The team is very good. The girls try a lot. There is a lot of competition in the trainings. So I think we are improving day by day. We are. Preparing for the European Games that they are in the end of November, and I hope that we will be in full strength for this stage. I hope we continue like that and to be stronger and stronger every day, and to do the best and for Lille and for the French water polo also. Très contente, c'est notre première victoire. C'est la première fois où on monte sur la première marche. Au niveau national, donc oui, très fière, heureuse. Il y a un recrutement qui est fait, après il y a une professionnalisation du sport hein, qui joue beaucoup, je pense, parce que la plupart des filles de l'équipe s'entraînent deux fois par jour, hein, qui se sont suivies par deux entraîneurs professionnels et encadrées par des bénévoles et des managers qui suivent l'équipe, quoi. Enfin, tout ce qui est mis autour de l'équipe permet de progresser et d'élever le niveau. C'était prévisible, on n'a pas beaucoup de travail dans les bras. Moi je viens d'arriver, ça fait à peu près une semaine que je suis dans le club. Et on n'a pas eu le temps de jouer, d'essayer les solutions d'attaque, un peu de défense, et voilà, c'est ça. On n'était pas encore bien préparé pour cette finale. On fait un super match contre Bordeaux où on rentre tout de suite dans le jeu et tout. C'était notre premier match officiel, donc c'était un premier test. Et deuxième match donc contre Lille où on est hyper déçus de notre production. Après, on ne s'attendait pas spécialement à leur mettre 10 buts, mais on ne s'attendait pas non plus à en prendre 10. Quoi. Et on a gardé à peu près le même collectif. Il y a une américaine qui arrivait en plus pour nous renforcer. Et en gros, cette année, l'objectif c'était de miser plus sur de la formation et d'apprendre aux jeunes avec l'expérience des plus anciennes. Donc du coup, après, on peut que espérer que ça progresse.